320 en live, une introduction des plus grands films. Hollywood s'incline devant une telle prestation. Et les gars, désolé de vous avoir fait un petit peu attendre. Il est vrai que ça aurait dû commencer un petit peu avant, mais vous savez les gars, la préparation technique, c'est tout un art. Comment tu vas Romain? Mais extrêmement bien. Un an après les gars, ça fait plaisir de voir tous les pseudos, tous les mêmes que l'année dernière, plus tous les nouveaux. Je pense, t'as fait la mise à jour ou pas? La mise à... Ouais, non, mon jeu il est à jour. Donc c'est... Tout le monde a 46 bébés sauf moi. Et on est 5 à avoir 46 bébés. Non. Du coup, il y aura un tirage au sort. Ah oui, pour les équipes, ouais. Vous voulez tous l'axe, c'est ça, de ce que j'ai cru comprendre? Ah, exactement. Allez, Zurich qui jouera... Et la malédiction, Popayen. Allez, Zurich qui jouera l'axe. La malédiction, Popayen. Ouais, bien sûr. Malédiction. Charge, la date de scénario, comment ça la date de scénario? J'ai mis 36. Ah oui, c'est... Oui, c'est 36, ouais. Oh non. Tu peux changer, en haut, non? Non, si, si, bah voilà, bah oui, tu peux changer en haut. Le chat, suivez un peu, s'il vous plaît, on peut changer en haut, en fait. Et oui, attention. Mais le chat, n'importe quoi, dites que je sais pas ce que je fais aussi, là. Tu as tout à fait la raison pour le chat. Tout était calculé. Voilà. Normal. Ouais, y'a un roumain. Oh, la technique de zinzin, y'a pas de japonais. Plus de collaboration, y'en a un qui sera pas. Seul dans son coin. Oui, je vais me taper 3 mecs d'un coup, yes. Le russe prend un petit énergisant, ça va jouer. Mais du coup, Zach qui est encore là, et du coup, Elaron qui avait joué Japon, et qui joue cette année, du coup, bah, italien en ce premier match, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Là, ils prennent un risque de zinzin, de laisser l'américain, fou de player, le Pacific Libre, de Japan Guys, for this match is a boat, because the Axis prefer to play Romania, at Japan. Moi, c'est aussi quelque chose que je vois. Est-ce qu'il va abandonner les Philippines en se disant techniquement, Lian ne va jamais venir débarquer chez lui, donc il est tranquille, donc il peut entièrement s'occuper du front européen? Ou est-ce qu'il va quand même jouer l'IA japonais, il va défoncer le japonais pour s'en occuper, et ensuite il va rebasculer sur... ou il va jouer les deux, ou est-ce qu'il va ensuite basculer sur l'Europe? C'est ça, ouais. En fait, que je me pose. C'est des infos qu'on m'a remontées. Il y a une des deux équipes qui se serait entraînée, je pense que c'est celle d'Aigle, et qui aurait chronométré à savoir à quel moment ils peuvent faire telle chose, à tel moment ils peuvent faire ça, s'il se passe ça, ils vont faire ça. Enfin, ils ont prévu le truc. Après, c'est pour ça que je ne mise pas trop sur eux. Je pense qu'ils ont joué avec leur vitesse à eux, à leur, leur façon, et j'ai vraiment peur que la réalité ne soit pas ce qu'ils pensent, que leur truc s'effondre. Donc. Ça va être incroyable, moi je vous dis ça va être incroyable, mais juste de voir un roumain, mais je me dis mais qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Ok, non mais franchement, est-ce que Zach il nous fait une dinguerie dès le départ? Il joue Panzer 4 dès le départ, il sort d'où son Panzer 4, c'est quoi ça? Regardons bien les templates parce qu'elles vont être intéressantes. Hein. Ok, c'est un char qui est fait pour l'attaque légère, un début de char, oui, qu'est-ce que c'est que ça? Il nous sort des quoi? C'est quoi ces composants? Mais lui c'est des composants que personne connaît, il sort des trucs... Ok, à suivre de très près, c'est l'anglais. Est-ce qu'il nous fait des divisions de Panzer dès le départ? Non, Zach, qui touche pas à sa production. Est-ce qu'il fait beaucoup d'aérien? Non, il fait pas d'avion, Zach. Oh, y a pas un piaf. Et l'anglais, l'anglais qui sort le Spitfire, j'imagine. Bah oui, regardez, l'anglais qui nous fait le Spitfire, 3 Spitfire par jour quasiment. Et oui. Et franchement, moi, j'aimerais quand même souligner un petit point. Le chat, je lis vos messages dans un instant, juste après. C'est imaginer la pression des joueurs. Match d'ouverture, peut-être que Zach a un peu moins la pression, mais je ne peux qu'imaginer la pression de Aigle. Aigle qui a un super niveau, et c'est tellement frustrant, les gars, sortir match d'ouverture, alors que vous avez un niveau incroyable, parce que c'est des phases éliminatoires. Alors que tu t'es entraîné, tu t'es préparé, 9000 heures de jeu, les gars, à mon avis, Aigle, il me goume, hein. Il m'explose. Merci de confirmer, Romain. Non mais laisse-moi finir. je rigole. Alors, je disais que je pense que n'importe lequel d'entre eux, n'importe lequel pris seul, nous goûte. C'est qu'on soit bien d'accord, je pense que à part certains joueurs type Loutre, type BDC, type Dr. Scope, le reste, ils nous goûtent tous. En tout cas, c'est le nombre de chars de Zach qui est énorme. Hein. Il est déjà à 7 chars par jour. Oh là là, ça va jouer char. Tu vas voir que sa template de char, ensuite, il va la changer. Il va le prendre et il va le passer en char, en chasseur de char, enfin, en char moyen, anti-char. Il va le changer. C'est sûr, c'est ce qu'il va faire. Et il va récupérer toutes ces divisions. Ces divisions, elles vont avoir le même XP, mais elles n'auront pas le même équipement. Et ça,
Ça, je pense que c'est vachement... Enfin, je trouve que c'est vachement intelligent, personnellement. Anti-joueur, quoi, pour combattre d'autres joueurs. L'anglais, par contre, là, il fait peut-être une erreur, c'est qu'il ne sort pas son aviation au Benelux. C'était le truc. Oui. Oui. Y a un problème. Apparemment, l'Allemagne, elle a déclaré la carte photo au Benelux, non ? La VAR. Non, mais il n'y a pas la VAR, hein. Tu regardes 25 novembre. Non, il y a marqué, il doit déclarer la guerre à Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, etc. en 40 ou en 41, dans n'importe quel ordre, mais pas en 39. Donc, ils ont déclaré la guerre trop tôt. Ils ont déclaré la guerre trop tôt, donc c'est un carton jaune. Oh, le premier carton jaune qui tombe! Mais non, mais Zach, mais pourquoi? Mais il a pas lu le règlement! Mais les gars, lisez la notice! Oh, jaune! Si je peux me permettre une petite intervention. Oui. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ah, il a déconné, il est pas concentré ou quoi? Je sais pas, il a peut-être paniqué ou. J'aurais pu être le gros salaud, on va écouter sa réaction, l'action! Ah non, Zach, il fait toujours pas d'avion, hein, il va piétiner, hein, pour avancer. Ah, attends, il a ramené son aviation. Non, mais il va se prendre un savon par là. Est-ce que l'Allemand qui avance en France très doucement, mais attention, parce qu'il y a l'Anglais derrière, il y a la ligne de repli de l'Anglais. Hein, et il y a moyen que la ligne de repli de l'Anglais fasse le travail. Bon, là, il a perdu la division bêtement, le Français. L'aviation anglaise, elle doit. Ah, mais ouais, voilà, hein, elle est en train de. Ah, quoi que. Non, si, elle va aller battre. Mais l'anglais, par contre, qui a pas d'essence. Aïe, erreur de l'anglais. Regarde. Ouais, le désert, c'est fait. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Le désert, par contre, je trouve ça super dangereux de la part d'Italien et de l'Allemand. Hein. Oh, abandonner le désert. Là, s'ils en ont envie, tu pars de Tunis, t'atterris à Palerme. Enfin, l'Italien. Ouais, ils ont l'air très attentistes, cet axe. On sait pas, on a l'impression que le plan n'est pas encore là. Je sais pas qu'est-ce qu'en pense le chat. Je pense que Zach. Attends, mais en fait, je pense que pour l'axe, le véritable ennemi, c'est pas l'anglais, c'est le soviétique. Alors je trouve que c'est une grosse erreur, mais en tout cas c'est l'impression que ça donne, j'ai l'impression que pour eux l'ennemi c'est pas l'anglais, c'est pas l'américain, c'est le soviétique. Il avance, hein. L'allemand il est parti là, oh putain ouais. ça y est, il est parti, ça y est là, Zach il revient. Concentration les gars, parlons pas trop vite. L'anglais qui détruit l'aviation, mais Zach qui arrive à progresser pour la simple et bonne raison que il y a pas beaucoup de casse visiblement côté anglais, ou alors le casse n'arrive pas à taper. Ok, les allemands qui ont percé, est-ce que l'anglais va se barrer? Là, vaut mieux qu'il se barre, l'anglais, ça pue. Barre-toi, l'anglais. Voilà. Il se replie, l'anglais, il s'en fout. Ouais, ok. La France est perdue. Bon, bah voilà. Bon, bah Zach, il est pas en tort, hein, parce que là, il est en train de nous prouver que le full blindé, ça passe. Pour ceux qui voudraient la fiche technique du Panzer allemand. Il est bon, ce Panzer, il est très très bon. Hein. Ouais, sur du 43 attaque légère, ouais. Ah, ouais, il fait mal. Ouais, Spitfire, c'est vraiment l'avion qui est utilisé par tous les grands joueurs quasiment. Vous mettez un truc pour la portée, du blindage et un truc encore de blindage et trois armements. Ça, c'est l'avion utilisé de base. Et Tutus qui nous envoie 300 de chair. Ça, le Luxembourg est très très fort. Ah, le Luxembourg, c'est le pays où il fallait habiter durant cette seconde guerre mondiale. Ça va. Ouais, ça va pas aller pour longtemps, je pense, mais ça va quand même. Le recrutement de l'infanterie, regarde-moi ça. Il est déjà en train de redemander une armée, l'anglais. 24 divisions, ouais, j'avoue. En fait, moi, je pense que le but de l'axe, c'est vraiment de garder l'anglais hors du continent européen, de la terre continentale. Exclamation NordVPN, tournoi sponsorisé par NordVPN, jusqu'à 71% d'économie, plus 4 mois offerts sur les abonnements avec le code promo Sarge. Autre exclusif, vous avez le lien. NordVPN, c'est vraiment utile. Moi, j'utilise quand je vais au Canada pour regarder le Netflix français, etc. Un petit PC portable, un petit cache HDMI. Vous pouvez regarder les séries que vous voulez dans le monde. C'est également utile pour bloquer les virus, pour vous protéger, votre adresse IP, etc. Vous connaissez. Mais franchement, NordVPN, pour ceux qui veulent, je crois que ça vous fait 2 ans d'abonnement pour genre 100, 110, 120 euros maximum. 2 ans d'abonnement pour 120 euros, en vrai, c'est pas mal, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci NordVPN, merci, c'est sympa les gars. Et Kalagan qui offre un abonnement à Madcamp, donc ça c'est notre premier sponsor. Si vous voulez faire un petit peu de e-sport, si vous voulez faire des concours, si vous voulez faire du gaming, le Discord Galaxio est là, il y a le lien qui s'affiche avec Streamlab, donc Galaxio n'hésitez pas, vous pouvez gagner, vous pouvez faire des petits... Votre carrière e-sport peut débuter peut-être là-bas les gars. Respire Sarge. Ah bah si tu veux nous présenter les sponsors, je te laisse la main, vas-y, maintenant, y'a pas de soucis. Ton paradoxe, que s'il nous écoute, s'il vous plaît, sortez-nous un autre DLC de Sabaton. Je vous en supplie, je l'ai acheté, j'en achèterai 10. Le tout dernier sponsor, Boutique Serge le Chef. Ah bah c'est nous. Si vous voulez gagner l'étendard de vos rêves et le t-shirt de votre vie, les gars, n'hésitez pas, vous pouvez avec les points de la chaîne. Tu veux que je te présente en tant que sponsor, tu veux c'est là que allez-y, flattez-moi. On a trouvé le rôle du roumain, c'est de jouer aérien. L'anglais a bien raison de faire plein d'avions parce que les trois de l'axe ils font aussi leurs avions. Ça va être une bataille de supériorité aérienne, à mon avis, ça va être...
Le russe, je te dis, il est prêt. C'est première ligne de défense, deuxième ligne de défense, troisième ligne de défense, quatrième ligne de défense. Puis t'as vu toutes les petites zones qu'il a mis? Oui, c'est vraiment, chaque ville compte. Hein. Il veut éviter les parachutages, je sais pas, ou... Ouais, bah oui, c'est pour éviter le parachutisme. Ouah, l'américain qui spamme de porte-avions. Ah ouais? Il fait 6 porte-avions ou quoi? Alors, ça, c'est pour la supériorité aérienne pour aider dans les secteurs, à mon avis, ça. Okay, il en fait 5, les gars, 5 porte-avions. Oh yo 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 yo. 1500 viewers, bravo Sarge, tu mérites le succès. Merci beaucoup, les gars, ça fait plaisir. 1500. Pérou a. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Le Pérou qui a rejoint le Japon. L'ennemi auquel il faut se méfier. Ah, mais ils avaient prévu leur coup comme ça. L'Américain va devoir débarquer au Pérou pour battre le Japon. Oh mon dieu! Débarquement anglais en Sardaigne, tu prends plus de temps à faire la traversée qu'à débarquer. Le Chili qui a rejoint le front uni chinois. Quoi? Ouais! J'adore les bots. En fait, on devrait un tournoi, on devrait laisser les bots faire. C'est... Faut prendre ça en compte dans les paris, les gars. Bonjour, ouais. Le bot. Vous en pensez quoi, le chat également, du choix roumain? Intéressant ou pas? 100% win pour les alliés. 100% win pour les alliés? Ah ouais? Ah, je dirais pas 100%. Hein. Je sais pas, l'anglais il est en pleine forme, c'est rassurant. Mais 100%. Le russe va souffrir, je pense. Tu crois, Amy? Toi aussi, tu vas 1v3 l'axe, t'inquiète pas, ça entraîne bien ce genre de choses. Montre les templates de Zach, ouais. Ouais, les templates de Zach, pour moi, elles sont. Mais oui, c'est ça qui m'étonne le plus. Tout le monde pense que Zach, il fait mécanisé, canon, char roulant, char lance-flamme, char aérien. Mais non, il fait du yaourt nature un peu, hein, en vrai. Par contre, il a déjà du Falschmer. Il a du Falschmer Jäger, je pense qu'il va s'en servir. Le parachutage, tu veux dire? Ouais. Ouais, la Falschmer, c'est le parachutage. Ouais, j'avoue, voilà. Le chat, on peut faire un spécial remerciement à Abaddon qui, en plus de son boulot le soir, devait micro-gérer un planning de tournoi à Joica. C'est chaud. La complexité que t'as dû avoir pour organiser 16 matchs avec des dates qui bougent, des dates qui se marchent dessus, etc. Franchement, le tournoi nous montre déjà un truc, c'est l'importance de l'aviation depuis les derniers DLC. Regardez, tout le monde joue chasseur. Personne ne veut se permettre de ne pas avoir la supériorité aérienne. C'est un truc de dingue, hein. Ils veulent tous les chasseurs. En fait, c'est tout le monde se dit, si je sors des chasseurs, je peux péter le CAF. Et si je sors du CAF, je vais produire moins de chasseurs. Donc, mieux vaut que je produise plein de chasseurs, de produire des chasseurs avec du CAF. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, tout le monde pense comme ça. Donc, personne ne produit de CAF. Mais on voit la volonté de spam div. Hein. Comme tu dis, 135 divisions. Il y a du monde à l'académie de formation. Et puis, t'as vu. Et regarde l'anglais. Regarde l'anglais. Tout à l'heure, il produisait 24 divisions. Il est encore en train d'en produire. Enfin, l'idée, là, actuellement, c'est de jouer sur la quantité plutôt que sur la qualité. Oui. Et est-ce que c'est con de faire des chars avec l'anglais? Oui, je pense. C'est pas... Oui. Ouais, ça sert à rien. Bah, débarque en Sardaigne. Est-ce que l'anglais a mis son aviation? Est-ce qu'il va nous faire une masterclass? Je pense que l'anglais... Non, mais pourquoi il met son aviation? Il fait des erreurs, l'anglais. L'aviation, chef. Réagir. Est-ce que l'italien va réagir? Pourquoi il est pas encore sans aviation? Sans aviation, ça va être compliqué. Il aurait mis son aviation, ça aurait pu passer. Ok, ouais. L'anglais qui tente sa première offensive. Offensive qui m'a l'air plutôt pas mal, hein. Mais c'est quel dommage, j'ai pas remis son aviation, l'anglais. Non, ça c'est... Ah, il se prend tout le casse. Bah oui, les gars. Ah si, oui, putain. Oh la vache, le Stuk 3, waouh. Oh bah Yonk, lui il est là pour niquer des... Oh mon dieu. Tu le vois? Ah oui, tout en haut. Oh, je tombe 3, oui, il est pas... Ah ouais. Attends, je vous décale la projection pour ceux qui veulent le schéma. 51 et d'attaque long. Wow. Par contre, ouais, je tombe 3 contre Zedu 5, c'est ça? C'est quoi du côté soviétique? Chasseur de char, mais là, oui, il fait mal le... Alors c'est vraiment dommage, hein, que l'anglais fasse pas attention au carburant et à l'aviation, parce que là il tenait un très bon truc, mais il a perdu beaucoup de matériel à cause de ça. L'italien qui nous sort des divs anti-char, mais qu'est-ce que c'est encore? Alors est-ce que c'est divs à lui, ou est-ce que c'est des... Non, ah oui, oui, c'est italien, ah, c'est italien. Hein. Il cherche pas à exterminer l'aviation allemande. Regardez, mais 200 avions, ça c'est un coup à perdre plein d'avions par jour. 200 avions comme ça, jamais tu fais ça. Là, c'est vraiment bête. Il perd 2 à 3, 5 Spitfire par jour là, dans la mer Tyrrhénienne, alors qu'il se passe rien. C'est vraiment bête de perdre 2 avions comme ça par jour. 5 avions par jour. Wow, 9 avions par jour. Retire-les. Et Cobra qui nous a lâché une information pertinente. La Suède garantit le Luxembourg. Il attaque le Luxembourg, il se tape le Suédois. Ah, excellent. La Suède garantit la Norvège aussi. Un puissant allié. J'ai toujours pas fait la Norvège. Oh putain, la guerre nordique, ça va être chiant.
Bon, l'Anglais qui a toujours pas retiré ses avions, quel dommage. Ouah, par contre là, ouah, ça claque les gars. Qu'est-ce qui se passe? La flotte british qui prend chasse les sous-marins italiens. Ok. Ouais. On nous a promis un jeu de 8000 heures contre 8000 heures. Bah, c'est vrai que là, pour du 8000 heures. Mais je pense, ouais, les gars, on y a un facteur à prendre en compte, c'est la pression du match. Hein. C'est éliminatoire, c'est l'ouverture. Tu sais que t'as 1000 personnes qui te regardent. Je crois que t'as les mains liquides, tu vois. Genre, t'es pas. Nous, on est là, on est derrière nos sièges. Même moi, les gars, là, il y a le pique-nique à côté, impeccable, genre. Ouais, lui il est en train de stress, moi je suis en train de manger ma pizza. Ouais, mais... c'est ça, hein. Là, les gars. Tu ici, c'est moi, hein. Faut imaginer, c'est un peu l'avion de Link qui a un problème, nous on est la tour de contrôle. On donne des consignes, mais après. Mais oui, je suis étonné pourquoi l'Américain s'emmerde à faire des cuirassés. Il a aucun ennemi naval, je comprends pas trop. On voit quand même que Aigle est très prudent. Hein, la flotte british qui protège l'ensemble de l'Angleterre depuis le début. Aucun risque d'invasion navale, on veut pas s'amuser à ça. Puis pas que l'Angleterre, elle protège l'Angleterre, l'Afrique, enfin, c'est il veut pas que les Italiens bougent de chez eux. La Royal Navy, par contre, ça c'est le truc qu'il a le mieux joué, je trouve, depuis le début. Ouais, mais je pense aussi que c'est pour ça que l'Italien bouge pas, parce qu'il a dû bien comprendre, il a dû bien voir la Royal Navy en Méditerranée, donc il sait que s'il envoyait des troupes en Italie et que la guerre commençait, c'était fini, il les retrouvait plus jamais. Je commence à avoir un doute, les gars, sur les alliés, je sais que l'anglais c'est difficile pour lui, mais... Après, il joue très bien l'anglais, hein. Il joue très très bien, je vous dis, il a un niveau incroyable, il est bien meilleur que moi, il n'y a pas de souci. Mais il nous montre quand même qu'il y a des failles qui peuvent coûter très très cher. Et chaque faille dans un tournoi, dans une compétition de haut niveau, peut être fatale. Et perdre 1000 avions sur une erreur comme ça, c'est dommage, je trouve. L'Allemand, il prépare son casse, bah ouais, hein. Oh, eh, ça va claquer, non, l'Allemand, il passe le russe. Hein. L'Allemand, il passe le russe juste pour le casse. Le Conseil de défense nordique. Ouah, et la tempête allait passer sur de l'air 230. Oui, elle devient plus énervée là. Ça va avancer progressivement. Voilà. Le Panzer 3E. C'est terminé. Je vois pas comment le russe peut tenir pour la simple et bonne raison qu'il n'a rien contre l'aviation allemande. À moins qu'il pète le casse avec de la DCA qu'il aurait fait partout. Il est en train de la faire. Ok, il est en train de la faire. Ouais, il l'a fait depuis le début. Hein. Depuis le début, il fait de la DCA. Hein. Ah ouais? Première minute, je te l'ai dit au début. Depuis le début, il fait de la DCA. Donc je pense, moi, le russe, il va jouer que sur l'anti-air. Et puis il va tenir, il va tanker, attendre un débarquement allié. L'Anglais va ouvrir un front quelque part, l'Américain va rejoindre. En fait, l'Anglais va planter le coup, l'Américain va enfoncer un gros coup. Et le Russe, ça va jouer le marteau et l'enclume. Moi, je pense que ça va jouer comme ça. Hein. Ça va jouer comme ça. Après, regarde, hein. Ce que fait Zach. Il n'y a pas tant de gens que ça sur le front russe. Hein. Mais Zach, c'est les chars qui vont monter. Quand il va faire monter les 24 chars les Panzers de réserve. Ouais. Il n'y a même pas d'anti-char, c'est pas possible. C'est mathématiquement impossible que le russe résiste à l'allemand. Les maths ne mentent jamais. Ouais, ça va être un clip quand le russe il va gagner. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les maths ne mentent jamais. 10 minutes plus tard. Mais il y a beaucoup d'antichars le russe, je sais pas comment il compte le jouer. Il a beaucoup ces petits chars légers, les sous-4, les sous-5 là. Les Z du 5, ouais. Les sous-5. Je sais pas ce qu'il va en faire. Je vois pas où les amis. Oh putain les gars, ça perd ça. Voilà, bah exactement. Oh mon dieu, on est en train de discuter, nous on fait le pique-nique. Bon, l'Allemand qui a fait une première. Je vous ai dit les gars, c'est sûr, regardez, il y a le support aérien. Bah oui, le casse de zinzin, tu peux rien faire. Il va. Ah non, regarde, ça s'envole les gars, ça s'envole. Casse blindé, il a même pas d'anti-char. Par contre, notre joueur roumain, bon. Bah il est là quoi, mais bon. Si par son aviation, ça. Ah, la percée. La percée au sud de Kiev. Allez, Kiev s'est tombé. Voilà. Bon, il n'y a pas d'encerclement. Tant qu'il n'y a pas d'encerclement, reculer, c'est pas dangereux. C'est les encerclements qui sont dangereux. Ouais. Regarde ce qu'il fait. Il est pas bête. Hein. Il envoie des divs. Il a 8 divs de tank anti-char. Ah, il les met à l'endroit de la percée, ouais. Ouais, il les envoie au contact des chars de Zach. En fait, il va s'en servir comme colle réparatrice de ses. Il va les envoyer là où Zach va envoyer ses chars à lui. Comme dirait Serge, ils se prennent des prunes. Ah, oui. Je confirme, ils se prennent des prunes là. Ouais, Ah oui, ils passent au travers, regardez-moi ça, comme dans du beurre. Ouais, comme dans du beurre. Regardez-moi cette. Est-ce qu'on a le premier encerclement du tournoi? Est-ce qu'on n'aurait pas le premier encerclement du tournoi? Non, mais là, ça commence déjà. Ça sent le pâté, les gars, comme on dirait. Mais oui. Russe, replie-le. Si le russe il replie, qu'il se fait pas encercler, c'est pas dangereux. Il y a 10 divs qui bougent pas. Ah, il aurait dû les bouger. Le russe a beaucoup d'espoir de pas bouger ses divs, il en a même rajouté. Après, il est derrière un fleuve, hein, là où il y a l'encerclement. Il est derrière un fleuve, hein.
techniquement... Il faut réorganiser les rigs, c'est foutu. Templar qui dit que c'est foutu. Ouais, j'avoue que pour le soviétique, c'est après, ouais. Après, du moment qu'il se fait pas encercler, c'est pas gênant. Mais si ça commence à perdre des divs, là c'est gênant. Zach, que Zach pousse au sud, il y a trois cases où il y a rien. Eh ben... Notre ami russe, Popeye, est en train de se replier. Ouais, il fait... Après, c'est bien, il limite la casse. Moi, je dirais qu'il est en train de limiter la casse. Pas pourquoi, comment ça se passe. Non, mais le russe, il est exceptionnel. Hein. Le russe, franchement, les gars, honnêtement... Il s'est refait encercler 8 divisions, mais je sais pas ce que vous en pensez. Il a super bien réagi. Ouais. Il ne s'est pas fait surprendre. Il recule, certes. Bah, c'est vrai que... Qu'est-ce que le roumain rapporte à part des avions? Ouais, des avions, mais est-ce que c'est ce qui fait gagner? Moi, je disais, j'étais premier à vous dire quoi, que le casque, ça faisait toute la différence. Ouais, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Mais est-ce que... Je maintiens, est-ce qu'un japonais n'aurait pas été plus utile? T'as besoin d'un japonais qu'occupe l'américain. Eh ouais, regarde ça. Ah, les États-Unis ont rejoint le Royaume-Uni. Ah ouais. Ouais. La flotte américaine qui va mettre la pété aux japonais. Oula, débâcle. Oh putain, oui, il se fait encercler 9 divisions. Attention, là, ça commence à accélérer. Et le train de la hype est en approche. On entend dire, grâce à Minao. Minao qui nous lance le train de la hype, let's go. Vous disposez d'un temps pour obtenir des emojis, des icônes exclusives. Bravo à toi, Minao, train de la hype en cours. Ouais, le russe, ouais. Est-ce que c'est le russe qui se fait encercler ou est-ce que c'est l'allemand qui se fait encercler? Non, c'est le russe qui se fait encercler, là. Je ne le sais pas encore. Je ne le sais pas encore, tu crois? Ok, on va attendre. D'accord. Je ne demande qu'à me tromper, mais... Attends, c'est qui parle? C'est Fossoir. Ouah, je t'avais pas reconnu, comment ça va? Mais toi? Ça va. On est très triste de pas t'avoir vu cette saison. Mais... D'un côté, Fossoir, l'avantage, c'est que personne t'aura battu officiellement, quoi. Même si j'avais joué, il m'aurait pas battu quand même. Ah allez, ça y est. Allez, tout le monde s'y attendait. L'Américain, il fait bien, il fait bien... De Honolulu, il peut débarquer en... Oui, c'est ce que je dis, il fait un détour de zinzin, mais si ça passe... Mais... Attends, il a arrêté l'invasion du Japon, non? Mais oui, il s'en fout du Japon, on s'en fout, c'est l'Europe le plus... Mais pourquoi? Mais c'était prêt. Il débarquait, il prenait... Mais non, mais le gâchis... Mais il s'en fout du Japon, il va pas s'occuper du Japon, regarde... Les gars, il avait l'invasion qui était prête, il y avait personne, il avait la Navy, il l'a stoppé. Perte de temps, le Japon. Mais tu bats le Japon, ça veut dire t'as le chinois avec toi, t'as le japonais avec toi, t'as toute leur aviation, toute leur industrie. Mm. Y a moyen, on assiste à un D-Day du démon. Mm. Ah, ça va être bon. Je m'assois sur mon siège, je mets la manivelle. Oh, les speedfers qui survolent. Regarde la percée allemande au sud de Moscou. Ça pue. Ça pue. Le russe, comment il équilibre? Non mais le russe, faut imaginer un mec à la boxe qui prend plein de coups mais qui tombe jamais. Il encaisse. Il subit mais il ne... Le russe, le moindre centimètre carré de terrain, il le défend. Hein. Regarde le plan de l'aigle. Non mais va voir le plan de l'aigle. Oh c'est beau les gars, attends je prends un screen, là, il y a une bonne image. Voilà. Attendez. Quelqu'un qui a mis des troupes. On est en vitesse 2, ça saute. Il y a des paras qui ont commencé à atterrir, l'Italien commence à réagir. Le débarquement de Normandie en plus, le vrai. Ouais, c'est la vraie Normandie, les gars, c'est très historique. Ils sont où les Américains sont pas encore là, je les vois pas, les Américains. Ah, si, ils sont là. Ouais, ils commencent. Ça débarque, les gars, pied à terre, cher Bourg. Ouais, c'est parti. Faut qu'ils prennent quel match. Faut qu'ils prennent un rapport et l'Italien a bien coupé. Cherbourg, ils peuvent l'avoir. Cherbourg, il accède. Même la Bretagne, hein, Brest. Ouais, Lorient, Brest. Lorient, il est. Tiens, Amiens. Ok, l'Allemand, il est là. Attendez, ça piétine un peu. Hein. Il y a des types de chars, mais les empêche pas de bien s'implanter. Cherbourg, ça passe, tu penses ou pas? Oui, je pense. Non, Cherbourg, ça passera pas, par contre, Lorient. Cherbourg, ça passera pas, tu penses? Il est en dernière défense. Est-ce que l'aviation elle est là aussi? Ils ont les... Wow, la bataille du ciel, c'est... Wow, le casque qui se prennent. Ah oui. Ils ont ça, Ali Côté Ali, ils prennent un 56 de casse, il est énorme. Ils ont déjà putain débarqué En tout cas, c'était bien tenté. Je pense qu'on peut pas reprocher qu'ils font rien. Merci Georgiev d'être passé, belle initiative quand même. Ouais franchement, belle initiative, hein. On voit l'effort d'équipe, ça a essayé ensemble. Peut-être ce qu'ils auraient dû faire, c'est d'abord nettoyer l'aviation avant de débarquer. Ouais, regarde,
Regarde le soviétique, tu sens que le soviétique il s'attendait à ce que ça marche parce que tu vois qu'il a 4 plans de bataille, il y a 4 battle plans qui sont prêts. Allez, il avait prévu de foncer le soviétique. Ouais, ouais, ouais. Puis regarde, depuis tout à l'heure il fait des lignes de repli et là il a fait une ligne de front. Et là, il a après, fait lignes... après, l'industrie soviétique qui commence à égaliser l'industrie allemande. Et... De quoi de quel côté, du côté les Roumains ont bien mis tous les chasseurs côté front de l'Est. Hein. C'est ce que je te dis, les Roumains depuis tout à l'heure ils sautent avec les chars de. Si Zach attaque un endroit, les chasseurs vont aller au même endroit à peu près. Mm-hmm. Ah, un nouvel encerclement. Oh, wow, regarde le front comment il vient de s'élargir d'un seul coup. Ah ouais, attends, l'italien qui a sorti sa flotte. Oh, ça claque. Flotte italienne contre flotte anglaise. Oh, il y a moyen que l'italien mette une vitesse. Il y a moyen que l'italien mette une... Ah non, l'anglais le tient. L'anglais le tient. Oh là, la navy british qui va détruire une bonne fois pour toutes la navy italienne, comme ça on n'en parle plus. Ok, une victoire pour les alliés, les gars, une victoire pour les alliés. Bon, ça changera pas grand chose, mais c'est quand même bien de le faire. Comme ça, après, l'italien il dort un peu. Je vous présente la nouvelle flotte de sous-marins italienne. Par contre, elle est fixe, hein. C'est une flotte de sous-marins fixe. Hein. Ah non, il y a quand même deux cuirassés qui ont réussi à s'évader, mais le reste là. Ok, non, il a. Pourquoi ils reviennent? Ouais, il cherche à. Bon, en tout cas, le débarquement au Japon, c'est fait. Pour moi, ça aurait dû être fait depuis le début, mais bon, peut-être que je Ouais, ça y est, ça débarque. Maintenant, faut finir. Alors, attention, regardez-moi ce débarquement avec ces 4 divs tout pourris. Ouh, attention, la menace qu'était le Japon. Moi, je pense que détruire le Japon, c'était la priorité depuis le début. Américain doit battre le Japonais pour manœuvrer librement en Europe. C'est mon avis, voilà. Et surtout, empêcher que Zach se dise, bah, j'ai juste à péter le soviétique. Mais non, mais la bourde de l'Américain qui a perdu le port. Zni abruti bot, il a fait un encerclement. Oh mon dieu. Ah, mais oh mon dieu, c'est phosphore le Japonais. Mais non, il abuse l'Américain. Mais non, puis il perd des bonnes divs là. Allez, voilà, c'est bon. L'Allemand non, est là. Non, mais là. Vous voyez pourquoi faut pas sous-estimer Zia Brutty Bot. Si je détruis tout ce qu'il y a entre toi et moi. Et je il a fait un super gameplay russe. Hein. Franchement, le russe, il a fait un gameplay. On paye pour le moment pour moi. On va attendre la fin. J'attendrai la fin du tournoi avant de Ouais. C'est... Mais vous voyez, encore une fois, c'est là que je vous dis à quel point le tournoi est punitif. Hein. Une équipe qui a autant de talent, parce qu'ils ont quand même beaucoup de talent. Va sortir sur un match d'ouverture, c'est dommage. Après, il y a quand même eu des erreurs, et comme on dit, hein, c'est le meilleur qui gagne, et honnêtement, c'est ça. Les erreurs qu'ont fait les alliés, l'Axe ne l'a pas fait. La seule erreur de l'Axe, pour l'instant, c'est la flotte italienne. Regarde en France. En France, il avait 0 casse. Non. Oh bah... Ah non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi il l'a pas invité chez les alliés depuis le début, lui? Le Costa Rica, quoi? Le Guatemala et tout... Ah non, what? Oh. C'est pas possible. Je suis fan et je suis... Voilà pourquoi faut jouer en 39, les gars, c'est pour ça. La guerre des critères. C'est vous, l'ordre de priorité, il est parti dans tout, il a fait tout. Il a fait le fascisme, le communisme et la démocratie. C'est vrai. Stop, ça va pas, dit Cobra. Ah, moi, je veux rien y faire. Hein. Après, techniquement... Ils sont tapés la Ligue Nordique là, ça équilibre. Hein. Mais... Non, je l'ai toujours dit, les meilleures parties c'est les parties de l'histoire. Non mais attends, me dis pas que j'ai mis un nom d'histoire, attends, j'ai fait une bourde. Bah après honnêtement. Ça a pas changé grand chose. Hein, c'est. Je vois pas qui a fait du nom d'histoire, t'as pas. Ah quoi que l'Espagne a fait une alliance avec le Portugal. Ah ouais? Honnêtement. Je te vois screen, regarde, c'est coché. Le nom t'inquiète, Sarge, t'es en train de tomber, on a dit Sarge, carton, l'Angleterre vote pour savoir sur un match, mais après, faut pas voir. Après, faut... Ah, la Turquie est entrée en guerre. Bah voilà, c'est bon, ça équilibre. Allez, c'est bon, ça équilibre. Paradox vont être ravis au bûcher, quel bolos. Sarge. Oui. Sarge. Oui. On fait quoi? Parce que là, en plus, on a Nisto, l'USA, il se tape le Mexique. Là, l'Italien, il a rien sur le front. On fait quoi? Alors, attendez. L'Italien il vient de se faire spawn 50 divs. L'Italien il va rouler sur. En vrai de vrai. Je pense en toute bonne foi. Bon, déjà si j'ai pas mis Sto, c'est de ma faute. J'avais mis le truc start 39, mais j'ai... le Iron Man tu pouvais pas le cocher, du coup j'ai pas coché le Isto. Donc c'est de ma faute à ce niveau là. En vrai de vrai. Il leur roule. Est-ce que ça change vraiment quelque chose à la game, sincèrement? Ils vont rouler. L'Américain en 2 secondes, il va rouler sur le Mexicain et puis l'Italien va faire tout ça. Ça équilibre. J'ai presque en vrai de vrai, on peut pas dire que ça fausse le match. Je suis désolé. Encore, on aurait dit à l'époque le Conseil Nordique, il a niqué la game, etc. Bon, ok. Ils sont tapés le Conseil Nordique, l'Axe.
Les alliés se tapent le Mexique. L'Axe se tape la Turquie. Honnêtement, ça désavantage plus l'Axe qu'autre chose, je trouve, très sincèrement. Ok. Mais sincèrement, bon, erreur de ma part, hein, j'assume totalement si c'est le cas. Mais ça change, ça change rien, la game. Ça change. Si ça leur dérange pas. Si vraiment il y a un joueur qui nous dit qu'une contestation, que ça lui nique son game, je veux bien l'entendre. T'as vraiment eu de la contestation en mode c'est pas jouable? Non, c'est pas ça. C'est juste que bah ça râle un peu, quoi. Parce que bon, les mecs ils sont concentrés sur un point et d'un coup il y a la Turquie qui s'amène. C'est déstabilisant. Enfin bon, je suis désolé, Zach encore il peut se plaindre, mais enfin notre ami italien, à part regarder les côtes. Demande à l'Axe s'ils se plaignent ou pas, parce que ceux qui sont plus désavantagés, je pense, entre le truc de la Turquie et le Conseil de défense nordique. C'est vrai que l'Alliance Suède-Norvège-Finlande, puis le Mexique communiste, et on n'avait rien remarqué. Mais oui, non, mais vraiment, il y avait 1400 personnes, il n'y en a pas un qui est foutu de se réveiller. Hein. Pour vous mettre au courant, les alliés, du coup, les États-Unis vont bouffer tout le Mexique, histoire de le sortir. Ouais. Et j'ai demandé aussi aux alliés de ne pas mettre d'avion en Turquie. Et l'Axe s'arrêtera à Istanbul. Non, mais c'est bon. Affaire crise résolue, sortie de crise. Merci, Ratalos. Voilà. T'aurais pu nous prévenir, Ratalos, quand même, depuis le début. T'es chiant. Ah bah, ouais, quand même. Ah, ouais. On t'attendait que ce moment pour te marrer, en fait. On a bien compris ton petit jeu. Ouais. Mais ouais, le pire, c'est qu'on n'a pas tilté. Bon, normal, historique. On a tilté, mais on a vraiment continué juste après comme si c'était normal. Mais on a tilté parce qu'on a vraiment... La Suède qui protège le Luxembourg, c'est pas dans les livres d'histoire, ça, moi. Il y a eu des erreurs impardonnables en rigolant. Non, en vrai, je suis désolé. Je présenterai mes plus sincères excuses après le match aux équipes respectives pour cette erreur impardonnable. Il sera assez beaucoup pour son erreur. Oh là là. C'est la faute de quelqu'un dans le chat, je sais pas qui encore, mais je la trouverai là. C'est plus abruti bot, mais abruti joueur, abruti caster. Oh, comment ça, abruti caster? Non. On va savoir si le roumain micro gère pas un peu, non? Non, de quoi, les divisions allemandes? Ouais, les divisions allemandes, non, c'est vraiment Zach qui gère toutes ces divisions. Hein. Non, c'est Zach qui gère toutes ces comme divisions. Comme un grand, bah, et là il lance le push, non, bah, le russe, il y a encore une ligne de repli ou pas le russe? Oui, il y a encore la ligne de repli, de la repli. Ouais, c'est bon. Mon dieu, non, mais il va abandonner au bout d'un moment. Mon dieu, il a encore. Là, je suis sûr que Popeye, il est en mode pour l'honneur, je vais tenir mes. Ouais. Non, après, franchement, on peut pas se permettre de critiquer leur performance, ils ont joué jusqu'au bout. Ah non. Clairement, il y a un gros respect pour tout le monde. Mais là, les amis, il faut arrêter, c'est bon. Le problème, c'est que là, si on continue, on va y être jusque 3h du matin, parce que là en vrai, si le russe, il a envie, jusque, allez, Sverdlovsk, que là, au niveau des chaînes de montagne, il tient encore, hein. Ah, le chat, et bah écoutez, des soirées comme ça, on s'amuse bien, hein, on est bien, les copains. Ah bah non, il est mort de rire, ça se voit, ils sont en train de se foutre de ma gueule à côté, là, regardez le caster, regardez-moi le caster, il nous entend pas, là, on peut critiquer, là. Hein. Il faut voir les règles de prolongation en 45, comment ça se passe, je crois que le RSS pourra rejoindre les alliés, il y a prolongation, si ça arrive en 45, il y aura prolongation. Oh, ça fatigue. Non, mais là, t'es d'accord pour dire quand même que ça devient incontestable, la suprématie de l'Axe, en toute... Eh bien, moi, je serais pas si persuadé de ça, tu vois. Ouais, j'avoue que là où je suis... Parce que, franchement, l'Axe a perdu l'Afrique. Le Japonais, ils peuvent le finir. Et l'Europe, ils ont la domination, mais si jamais ils arrivent à tenir un débarquement, les alliés, quoi, ils sont niqués. Tu penses que Zach, il va piétiner, là, pour l'URSS? Non, l'URSS, il va peut-être la faire capituler. Mais s'il n'arrive pas à pousser le débarquement, il est niqué. Parce que, mais je sais pas ce qu'il fait, l'Américain, je sais pas si tu vois, mais l'Américain, il dort. Il ramène des troupes là. Attends, il a ça, il reprend. La pause est finie. Mais 44, ah ouais, c'est trop. Allez, le russe qui se fait encercler. Ah, ça joue. Oui, Kubinchev est encerclé. Ah, il perd de division. Réveillons-nous, réveillez-vous, il y a quelque chose. Mais qu'on dirait, il attend le Père Noël. C'est ça. En fait, si le Japon est mort, 45 atteints et le russe est encore là, victoire alliée. Si le Japon meurt, mais que le russe est aussi mort, là, ça a condition de victoire des deux côtés, du coup, ça continue. Oh là là. Ah là, ça va être très hard. Il faut qu'il se bouge, l'allemand. Hein. Ça va, et toi qui voulais un scénario de 39 pour que ça aille plus vite. Ah bah ouais tiens. Tout pour m'embêter, c'est pas possible ça, la chute de Tokyo. Bon, prochaine fois, on fait scénario de 39 et ça s'arrête en 45, comme ça. Hein, 39-42. 39-42, ouais, c'est bien. Ils auraient pu abandonner. Je sais pas, c'est vrai que ce serait très punitif parce que l'Axe ça fait tout le jeu, mais d'un côté, c'est vrai que l'Axe. À part l'allemand qui a push en URSS, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre?
C'est vrai. Pas pourquoi moi je comprends pas que Zach tente pas un débarquement en Angleterre, c'est la porte ouverte vers la victoire. Si vous prenez l'Angleterre et 45 atteints, c'est gagné. Oui. Le moral, je suis persuadé que son impact est sous-estimé, mais clairement, attends, t'as des super joueurs qui, par souci de concentration ou je sais pas quoi, vont sortir. Attends, si franchement, notre champion de francophone, il sort ce soir. Bah après, Zach, il a fait tout le travail. Enfin, il a quand même fait le maximum, je pense. Mais oui. Ce serait d'une bêtise. Zach, il a tout donné hein, ce soir. Hein. Il lui reste Calvin, il lui reste plus rien. Il lui reste rien. Ah si, putain, il lui reste Nagasaki. Quelqu'un aurait une bombe nucléaire sous la main. Surtout que le premier carton jaune est absurde. Ouais, oui ils ont juste à tenir 2 mois là, les alliés, c'est une victoire. Oh, les flops des débarquements, ça te connaît Serge, toi avec le Venezuela. Oh, on ne retiendra donc que de ça de moi. On va aller voir le vocal de Zach. Fighter. Je te mets des fighters. Hein. Au moins tous les fighters que t'as en Angleterre, tous. Eh, c'est n'importe quoi, les gars, le match il est pas fini. Il y a un monde, j'ai cru que Zach il sortait, tu m'étonnes que Zach il était vénère. Attends, là, on était même pas en train de respecter notre propre règle. Attends, on s'est embrouillé là, oh la honte. Franchement, ce soir, les organisateurs, tous à la ramasse. Organisateurs et casteurs, tout le monde à la ramasse. moi j'ai rien fait. Hein. Oh, ça va être épique. Je sais pas combien on est dans le chat, les gars, dans quelques instants, on a la fin. Si 45 atteint, c'est fini. 245 personnes pour une fin épique. Par contre, faut qu'ils nous mettent une vitesse 3, monsieur Phosphore. Ouais. J'avais vu ça, j'étais mort de rire. Les deux frères ont fait des erreurs en cette game. Mais vraiment, on s'est chié tous les deux avec Cobra. Après, les gars, il y a toute une longue préparation et une fatigue mentale aussi. Pour ceux qui disent qu'il y a la Scandinavie, faut voir si la Scandinavie est considérée comme une domination majeure. Franchement, ils battent l'URSS, ils ont la domination majeure en Europe. Hein. La Scandinavie, elle est pas majeure, je pense, honnêtement. À partir du moment où j'ai vu que l'Américain il dormait, il faisait plus rien, mon cœur balade un peu plus pour l'Axe, étant donné qu'ils sont battus jusqu'au bout et que c'est vrai que comme il dit Zach, Popeye il a eu un très bon jeu, mais c'est vrai qu'il a rien tenté si ce n'est que reculer, ce qui est une stratégie, attention. Mais c'est vrai que si on fait au beau jeu, moi je suis quelqu'un qui valorise le beau jeu, l'Axe nous a fait un plus beau jeu, je trouve, de mon avis, c'est mon avis, après peut-être que pas tout le monde est d'accord, que les alliés, bien que j'aurais aimé que les alliés gagnent, mais avec un jeu plus... Ils font tomber URSS et Angleterre, c'est win. Par contre, l'Axe n'a pas pu profiter des bonus de commerce avec le Suédois, donc malus au long terme de game. Non. Ah oui, clairement, ça a handicapé l'Axe. Hein. Pour moi, c'est pour ça que je me dis que l'Axe, c'est eux qui auraient pu le plus critiquer le non-historique. Parce que c'est eux qui ont été le plus handicapés, c'est pas les alliés. Ah oui, ça a débarqué là. Il y a un mois. Regarde, Zach, il met tous les Panzers. Il met tous les pots en Angleterre. Si l'aviation... Waouh, le bordel. L'aviation, elle couvre ou pas la mer? Ouais. Non, mais surtout que là, en 30... Franchement, s'il arrive à nous prendre l'Angleterre en 30 jours, ce serait du jamais possible. Et il donne tout ce qu'il a, Zach, il donne tout ce qu'il a. 4 décembre. Attends, mais les parachutistes, ils sont où? J'ai dit, ça part, on les a jamais vus atterrir. Ah, tu parles de où, en Angleterre? Ouais, je suis parti dans la Manche. Non, il n'y a pas de transport, pas de division. Regarde, Libia, 500 transports. Ils sont où, ces parachutistes? Ils sont déjà envoyés, je pense. Il passera pas, regardez, on est déjà 7 décembre, ça passe pas. Oh putain. Il va même peut-être se faire repousser. Regarde au milieu. Regarde au milieu à côté. Regarde à côté de Londres. Il va se faire repousser. Ah, c'est bête. Ils vont se faire refouler à la mer. Ça aurait dû être tenté 20 fois avant ce coup-là. Hop, hop. 10 décembre, ils se font repousser à la mer. Le royaume du Danemark se soulève contre l'Allemagne. Reich allemand appelle l'état du Japon dans la guerre, les dépenses danoises. Attends, quoi? C'est-à-dire que le Japon est réentré en guerre. Quoi? Le Japon est en guerre contre l'URSS. Ah non, c'est pas possible! Il est en guerre contre le Russe, il est en guerre contre le Suédois, il est en guerre contre l'Islande. Là, je sais pas vous dire qui va gagner, je sais pas qui gagne. Je sais pas, est-ce que l'Afrique ça joue encore vu qu'il y a des parachutistes? Non, il joue pas, il laisse faire. Est-ce qu'il y a une domination, je sais pas. Tout ça parce qu'il pensait qu'il a oublié de cocher le mot Gistock. Ah non, mais ça a rien à voir avec moi. Non, mais là, ça a plus rien à voir avec moi. C'est à 10 km de moi. Thank you.
Si tu la reprends la domination sur deux continents. Bah on l'avait, là on l'a perdu rapidement un petit peu sur l'Afrique. Ils ont fait un séparat à la con, on va le reprendre en fait, mais. Est-ce que eux ils ont même pas l'Europe? Si tu reprends la suprématie. Oh, attendez là. Oui. Ah, si vous reprenez la suprématie. Okay, si vous reprenez la suprématie sur un continent, oui, là c'est gagné. Ok, oh, attends. En Malaisie. Ouais, c'est quoi ce règlement du règlement du règlement du règlement du règlement? Même pas demain, là, à la fin du match, quand on va annoncer le gagnant, il y a un des deux côtés. Ça va gueuler, hein. ça va gueuler, mais le problème, c'est que, vous voyez, en fait, le règlement, il est fait pour donner une fin au bout d'un moment. Tu peux pas dire, ah bah, s'il y a prolongation, il y a la prolongation de la prolongation. T'es obligé de donner un stop au match. Ouais, mais... en fait, ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a prolongation, c'est qu'aucune des deux équipes n'a réussi à surpasser l'autre. Et c'est surtout que si les prolongations ne finissent pas, c'est qu'aucune équipe n'arrive à faire vraiment un truc de ouf par rapport aux autres, quoi. Ça continuait, mais c'est vrai que là c'est un peu dommage qu'il y ait eu, on pense que c'est gagné, mais en fait, non, ça continue tout, ça fait un peu brouillon, c'est dommage. C'est dommage. Ah bon, on la retiendra cette ouverture de tournoi, putain. Yo, les joueurs ont pas été au top, vraiment, je suis d'accord. Les imprécisions de doute pendant la game aussi, c'est la première game et on peut être sûr que ça se produira plus ou beaucoup moins pour la suite du tournoi. La victoire au point conclut juste cette game presque de façon logique. Moi, je suis d'accord, ça me paraît. Et ça va éviter toute frustration parce que c'est le jeu qui décide à notre place et c'est mieux qu'un tel dise, ok, on va suivre à ça qu'il y a une contestation derrière. On imagine l'URSS tombe. Ouais, exactement. Oh putain, il a réussi à avancer. Mais oui, c'est vrai, il est dans l'Oural. Oh là là. L'URSS c'est à 22%. Ouais, enfin alors, Zach, il arrive à faire tomber 1% tous les 6 mois. Il faut qu'il arrive à prendre la ville de Cheblins qui est Severodonetsk et c'est gagné. Oh, attendez, il y a un monde où le japonais il est en guerre contre le russe. Oh, le japonais qui prévoit un débarquement à Vladivostok. Non, oh, il lance le débarquement, le japonais fait gagner Zach. The abruti boat. Le débarquement arrive dans 8 jours, dans 5 jours. Oh non. Non, non, pas ça. Ricky Hondo. Hondo, le débarquement. Le bot qui va gagner. Ah, c'est qui, c'est... comment il s'appelle Popeye. C'est Testu Yakama qui va donner la coupe. Non, Popeye, il va jeter son clavier. Dans... Les gars, il va débarquer dans 3 jours. Oh mon dieu. Popeye. Bon, je vous jure, là, je vois un russe qui spawn sur Vladivostok. C'est du streamhack de zinzin. Non, il a pas de troupe et il a rien qui bouge. Il le lance. Ça part. Oh non. Il part. Non. Oh, il y a la croisière Samus japonaise. Oh, regardez, Vladivostok. Oh non. Oh, oh. Il y a vraiment plein de divs qui vont débarquer. Oh, il y a 1% de capitule. Oh non, ça va être horrible. Ligue 1 pour le japonais. Oh. Il va péter un câble. Le bot. 2, 1. Et attention, un Popeye qui explose. Il arrive. Landing progress, non! Attention! C'est fini! C'est fini! Oh non! Oh non, allez. C'est pas possible! C'est pas possible! C'est fini! Oh non, c'est volé! C'est volé! C'est le match le plus frauduleux d'ouverture! Le japonais qui élimine! Oh non! Attends, je veux la Attends, réaction. Mais je me demande si Zach il a capté ce qui s'est passé. Si vous avez pas compris, le japonais a déclaré la guerre à Popeye. Popeye ne l'a pas vu. Et il a débarqué à Le japonais attendez, les gars, pardon, faut pas déconner. Le japonais, c'est pas possible, c'est à nous. Non, oui. Vous l'avez pas pupette, le japonais. Sacha, t'as pas fait ça. C'est pas moi, c'est la Suède qui l'a pris. Tu m'as dit laisse tomber. Et il l'a libéré, le japonais a déclaré la guerre à Popeye et il a fait un tout petit débarquement, il a juste pris Vladivostok et c'était fini. Voilà, non, mais attendez les gars, par contre on peut pas accepter ça, on va pas jouer de finale là-dessus. Alors, techniquement c'est pas fini, parce qu'il reste encore, l'Europe n'est pas entièrement sous contrôle Axe. Il reste quelques petits territoires qui sont pas tout le monde. Non, bah il reste la Norvège, la Suède et la Finlande. Non, on sait pas. Nous, on avait demandé avant le match à des différents arbitres, qu'on nous avait dit que c'était bon la Norvège. Pour le coup, j'ai des messages écrits qui attestent que la Norvège elle compte. Hein. C'est pour ça que là-dessus, je suis désolé, l'Axe n'a pas l'Europe. Hein.
C'est ça. Les calculs, pour moi, les calculs sont faussés dans tous les cas, et je vous assure que on se revoit à la fin du mois. Ce sera quoi? Ce sera avril. De toute façon, ça changera rien. C'est juste un match qu'on rajoute au dernier moment. Si vous êtes qualifié les 16e, ça se passera normalement. Ça va rien décaler au planning. C'est juste là, on laisse un mois de repos, on se revoit dans un mois pour faire le dernier 16e. Et là, on aura un beau match avec des règles claires. Et il n'y aura plus ce genre de non-histo, je sais pas quoi. Et là, il n'y aura pas de contestation sur votre victoire. Pour moi, vraiment, je vous dis, hein, si vous êtes confiant à l'idée que vous pouvez gagner dans les règles de l'art, refaites un match. Ça change, à part juste avoir perdu cette soirée, et j'en suis désolé, ça ne change rien. Si vous ne doutez pas de votre niveau, que vous savez ce que vous allez faire, que vous avez appris de vos erreurs, que la prochaine fois, le règlement, ça sera appliqué, ça sera plus précis aussi de notre côté, vous n'avez rien à perdre, vraiment. Et voilà. Surtout, il faudra regarder la rediff, Serge, pour voir si tu avais activé la no-histo. Non, mais j'avais pas activé, ça j'assume totalement, c'est moi, j'avais pas activé. Oh oui, pour moi, c'est ok. Surtout que de toute façon, c'est okay, parce que vainqueur, l'autre va se sentir lésé. C'est pour ouais, surtout, ouais. Je vous assure que ouais. vous aurez aucun plaisir à la victoire, parce que vous savez que votre équipe va contester en tout cas, parce que c'est pas beau. C'est ça, ouais. C'est pour ça, moi je suis ouvert un match retour, parce que personne serait content sinon. Donc, Monsieur Zach. Bah allons-y, quoi. Allez. J'attends juste la validation de Phosphore, Rathalos a validé, j'attends la validation de Phosphore, comme ça au moins on a tout le monde qui est d'accord. Ça j'ai déjà arrivé en vanille, hein. Si tout le monde est d'accord du coup pour une reprogrammation, ça veut dire le dernier 16e il avait lieu le 4 mai. Attends. Ça fait qu'on se revoit début mai, genre à partir du 4 mai. Là dès que ça coupe, je pars en montage pour cette vidéo de malheur. Hein. Tu vas faire une rediffusion de type bêtisier, oh non ça serait trop gênant, mais les gars je me détruis, hein. Je mets une rediffusion de ça, je me détruis. Hein. C'est ça, le parti va détruire l'épreuve. Voilà, c'est la fin de ce premier 16e de finale et surtout de cette ouverture de tournoi. Encore une fois, dites-vous qu'on a vraiment eu la validation des deux capitaines, des deux arbitres pour reprogrammer le match. C'était la meilleure sortie de crise possible selon moi. Il y aurait eu trop de frustration, il y aurait eu trop de contestation dans tous les cas. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette décision qui a dû être prise un peu à la va-vite parce que c'était vraiment le feu. Alors, j'ai vraiment fait du montage pour couper les moments les plus gênants, mais ça commençait vraiment à péter entre les joueurs et même les arbitres et tout, on était dans la confusion. On peut pas se permettre un règlement approximatif et cette coupe nous le confirme. On est passé à un stade au-dessus où il faut être encore plus pro que l'année dernière et on doit anticiper le match serré quand il y a deux géants comme équipe qui s'affrontent comme ça. Enfin bref, les deux équipes reviendront pour une affiche épique en fin de 16e de finale. Et j'en suis sûr que le match retour sera incroyable. Mais voilà, faites-moi votre retour en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision? Est-ce que selon vous, un camp méritait plus que l'autre de gagner? Dans tous les cas, dites-vous que la contestation n'était pas possible et que ça aurait juste fait un scandale plus qu'autre chose. Le fait que les deux capitaines d'équipe étaient d'accord pour reprogrammer, ça montre bien que le match était vide de sens. Voilà, je tiens quand même à préciser que les deux équipes seront dédommagées pour avoir perdu une soirée pour rien, puisque l'organisation est responsable d'un résultat qui donne lieu à un non-lieu du coup. Et puis voilà, on se retrouve à très bientôt pour le prochain match. Et n'hésitez pas à nous retrouver en stream sur Twitch pour la compétition.